Didier sait avant tout l'histoire d'une amitié indéfectible, nourrie de respect et d'admiration réciproque entre Alain Chabat et Jean-Pierre Bacri. Impossible de comprendre ce film inclassable sans revenir sur la jeunesse de cette belle complicité. Tout débute en 1985 lorsque le jeune Chapeutin, c'est un animateur sur Canal, découvre dans sa boîte de fubé sous un ovni cinématographique nommé Jean-Pierre Bacri, irrésistible dans la peau de l'inspecteur Batman. Il avait une façon tout à fait incroyable d'interroger Isabelle Adjani. Avec cet air agacé tellement génial, se souvient-il. 4 ans plus tard, on a 989. Alain Chabat propose à Bacri de jouer ainsi que dans l'émission .b.fait.2. Nul qu'un prototype du rire absurde où le comédien invité surprise de nul doit faire semblant de s'étouffer avec un morceau de poulet. Ulcéré de se voir proposer une prestation aussi pitoyable, et Bacri décline sèchement. Avec Chantal, Bruno, Dominique, nous étions définitivement fans de lui et de son irascibilité. Résume Chabat, plus loin de se décourager, convoque à nouveau le récalcitrant dans la cité de la Peut à 994 d'Alain Berberian. Cette fois, d'acteur joue juste avec talent dans le rôle d'un projectionniste assassiné. Lire également chercheur temps ciné Claude Jean-Pierre Bacri, le meilleur rôle que j'ai eu. Joue d'un rôle sur mesure, une idée folle née alors dans la tête d'Alain Chabat, un INTP pire accent drafté. Aussi génial, mérite bien une comédie loufoque écrite rien que pour lui. 3 ans, quelques mille pages plus tard, qu'il accouche du scénario. Il est surréaliste, Jean-Pierre, agent de footballeur sur le déclin, accepte de garder le labrador d'une amie journaliste. Mais tout pleine nuit, le tout ou préformumé tout en garde son comportement imprévisible de canidé, Bacri, qui doit tenir le rôle de l'agent exulte. Il a dressé son futur partenaire un compliment, ce qui n'est pas vraiment son genre de voilà du solitaire qu'être même humain. On vaut toujours le chien. L'acteur confie le magazine Studio de Franchement, ce tournage lui c'est un peu des vacances. Je m'amuse au point que je m'en voudrais presque. Chaque scène est un combat pour ne pas rire, avec près de 3 millions d'entrées par salle. La comédie vaut au réalisateur le César 1998e du meilleur premier film, mais aussi l'estime éternelle de Jean-Pierre Bacri. Alain Chabat est inconsolable de la disparition que le 18 janvier dernier fait de son ami. D'où il avait tant de raisons de l'aimer, dit Dieu. Mercredi 2 août à 21h15 sur TFC Jean-Baptiste Drouet.